matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver eh bien pour les énergies de cette journée, de ce mardi 21 mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, eh bien écoutez, c'est une petite histoire que je vais vous raconter avant de passer à la carte du jour. Jean-Claude et Cédric sont convoqués à un entretien d'embauche. Et quelque temps plus tard, un courrier adressé à leur domicile respectif les informe qu'ils ne sont pas retenus. Donc il y a deux personnes. Et vous allez voir l'aspect des deux personnes, comment ils réagissent à cette annonce, qui est complètement différente l'un de l'autre. Et bien déçu, Jean-Claude se laisse abattre et peste contre sa malchance. Son humeur, eh bien, devient exécrable et sa réaction excessive déclenche une dispute avec son épouse. Il s'enferme, eh bien, dans sa rancœur. Donc, il a vraiment une rancœur profonde. Évidemment, les lettres de motivation qu'il écrit par la suite, eh bien, s'en ressentent, n'est-ce pas? Et sa recherche d'emploi, eh bien, elle traîne en longueur. Par contre, Cédric a lui aussi, évidemment, été déçu de ne pas avoir obtenu le poste. Mais après un moment de découragement, Cédric essaye de comprendre les raisons. Et c'est ainsi qu'il passe en revue son entretien, identifie ses points faibles et il réfléchit à la façon dont il pourra les améliorer. Bref, toute son énergie est centrée sur les leçons à tirer de cet échec. Peu à peu, il reprend confiance et renvoie des lettres plus toniques et plus dynamiques. Est-il besoin de préciser lequel des deux a trouvé un emploi le premier? Je vous laisse la réflexion et je vous laisse y répondre parce que je suis certaine que vous connaissez la réponse. À chacun de nous, n'est-ce pas, de savoir déceler l'aspect positif d'un échec. Vous savez, tout échec évidemment est un échec, mais c'est en faisant des échecs que nous apprenons. Nous sommes ici pour expérimenter. Donc vous voyez deux cas de figure complètement différentes. Rester positif et ne pas avoir cette rancœur parce que évidemment en continuant, eh bien on le voit en écrivant ces lettres, il y a ce sentiment de rancœur hein, qui est probablement dans la tournure de ces lettres. Eh bien voilà. Aujourd'hui j'ai pigé le deuxième chakra, archange Ariel, deuxième chakra. Alors, deuxième chakra, c'est la couleur est orange, c'est le chakra sacré, n'est-ce pas, qui se trouve au-dessus du nombril. Et ce chakra, bien, il influence les émotions. Par contre, c'est l'archange Ariel. Alors Ariel, notre bel archange Ariel, alors je vais répéter, les archanges, eh bien, ils sont au-dessus des anges et en dessous de Jésus et de Dieu, n'est-ce pas, de notre Créateur. Mais il est au-dessus des anges, des maîtres ascensionnés, des chérubins, etc. Et les archanges sont évidemment nos alliés, de tous les jours. Hein. C'est un véritable intermédiaire. Ils sont de véritables intermédiaires entre le ciel et la terre. Et ils sont dotés de pouvoirs surprenants dont ils se servent, n'est-ce pas, pour nous protéger et nous guider. Alors ce bel archange Ariel, dont le nom hébreu signifie « feu de Dieu », eh bien il est capable de nous aider à réaliser nos plus grands souhaits tant que nous faisons preuve, n'est-ce pas, d'une réelle volonté de les voir s'exaucer.
Il faut y mettre vraiment de l'intention. Et son énergie, qui est douce et réconfortante, eh bien, permet ainsi de reprendre confiance en soi et donne à celui qui l'invoque le courage et la détermination nécessaires pour atteindre ses buts. Le deuxième chakra, il vibre dans l'énergie de ce bel archange Ariel. Et en plus, l'archange Ariel, je pense que c'est l'archange des scorpions. Petite parenthèse, voilà. Cet archange, il envoie une énergie orange de sa couleur qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. C'est évidemment, c'est l'influence, on est sous l'influence des émotions aussi, hein. Et cette carte, elle vous incite à être créatif. Elle vous demande d'exprimer librement, de vous exprimer librement, en plongeant eh bien, dans des zones inexplorées, participer à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Peut-être sortir de votre zone de confort. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres, c'est-à-dire votre épanouissement, eh bien, circule plus librement. Puisque cette carte est à l'endroit, eh bien, nous n'avons pas le chakra, le deuxième chakra est bien aligné avec les autres chakras. Il n'est pas en discordance. Donc, vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Peut-être que vous allez faire une rencontre. Ça peut être au point de vue professionnel, ça peut être au point de vue sentimental, familial, amical, etc. Mais si c'est au sujet de sentimental, vous pourriez faire une belle rencontre avec des émotions qui sont sincères, pures. On vous invite à vous épanouir et surtout d'être prêt à recevoir eh bien, de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Donc, c'est vraiment une belle carte qui est le chakra qui est bien aligné dans l'alignement des autres chakras. Et puis, l'archange Ariel, eh bien, demandez, n'est-ce pas, à ce bel archange de vous aider dans vos démarches, de le solliciter, ne demande pas mieux que de vous venir en aide. Voilà, c'est une très belle carte, hein, qui est très positive. Et puis l'affirmation pour aujourd'hui, eh bien, mon deuxième chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis créatif et épanoui et de plus en plus à l'aise avec les 12 vagues d'intimité qui déferlent vers moi. Si maintenant, c'est au point de vue professionnel, il y a beaucoup de chances que vous auriez des nouvelles d'une personne qui vous mettra en valeur. Si maintenant c'est un projet que vous avez, eh bien, continuez sur cette lancée, ce projet va être mis sur pied. Ne désespérez pas, ayez confiance en vous. Voilà le message de cette carte. Et je termine par le message de ton âme, et aujourd'hui j'ai récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien, eh bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Eh bien, ça rejoint, n'est-ce pas, avec cette belle carte deuxième chakra, Archange Ariel. Voilà, votre créativité, tout ce que vous avez mis
sur place, en place, ce que vous avez semé, vous allez récolter, que ça soit professionnel, sentimental, amical, familial, etc. Eh bien, je trouve que c'est une belle carte positive pour ce mardi. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse, à demain.